Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de vous être déplacés en grand nombre aujourd'hui pour assister à nos présentations. Donc, notre équipe, composée de Jean-Philippe Barry-Boyer, moi-même, Guillaume Godin et Madeleine Joseph, on a travaillé sur la gestion des inondations et la résilience des communautés rurales, notamment les deux municipalités de Warwick et de Tingwick, situées dans la MRC d'Arthabaska. Donc, brièvement, on va faire une mise en contexte des inondations au Québec. On va aborder notre système à l'étude. On va également parler de notre hypothèse de recherche ainsi que les objectifs qui en découlent. On va également discuter de notre analyse de vulnérabilité, de notre analyse de réseau social, de l'auto-évaluation de la résilience de nos deux municipalités et finalement des recommandations qui découlent de notre rapport. Donc, brièvement, les inondations au Québec sont un aléa naturel qu'on connaît bien, à vrai dire, qui marque l'imaginaire des Québécois, mais qui cause également beaucoup de dommages aux communautés. Donc, par exemple, là, on se souvient du déluge du Saguenay en 96 avec la petite Maison Blanche, là, ou plus près de nous, là, dans le temps, là, en 2017, avec les inondations majeures, là, qui ont touché l'Outaouais ainsi que la région de Montréal. Donc, les impacts des inondations sur les municipalités, à vrai dire, ou sur les citoyens, peuvent être directs ou indirects, et ils sont variés. Ils vont varier selon, de un, le type d'inondation qui touche le milieu et également le type de milieu qui est exposé. Donc, c'est vraiment les facteurs qui vont influencer, là, les types d'impacts qu'on va avoir. C'est encore plus intéressant de s'intéresser à la gestion des inondations, surtout dans un contexte de changement climatique, puisque c'est un consensus un peu au niveau des chercheurs là, qui travaillent dans ce domaine-là, notamment d'Ouranos, que les changements climatiques vont exacerber les conditions propices aux inondations. Notamment, on parle de l'augmentation des fréquences et une augmentation des intensités. Donc, de là l'intérêt de travailler là-dessus là, dès maintenant. Donc, notre système d'études, le voici. Les deux municipalités de Warwick et Tingwick sont, à vrai dire, les deux municipalités voisines dans la MRC d'Arthabaska. Donc, ce qui est important à retenir au niveau de nos deux municipalités, c'est la répartition spatiale des populations des deux municipalités, qui, à vrai dire, est très semblable. Donc, la majorité des populations se répartissent dans le noyau villageois. Mais on a également une autre proportion de la population qui se trouve dans des noyaux, dans des hameaux résidentiels ruraux qui sont disséminés sur le territoire, mais qui se situent souvent à la confluence d'un cours d'eau et d'un axe routier. Donc, c'est vraiment les principales caractéristiques là, qui sont à retenir pour nos deux municipalités. Évidemment, on ne peut pas parler d'inondation sans parler de bassins versants. Donc, nous, les bassins versants qui nous intéressent, ce sont les bassins versants de la rivière des Pins et des Rosiers, qui sont, à vrai dire, là, deux sous-bassins versants de la rivière Nicolet. Ce sont deux sous-bassins versants qui sont majoritairement situés en contexte agricole. Toutefois, on a un usage un peu plus agroforestier, le plus en amont des bassins versants, puisque la topographie est plus accidentée, que les appalaches commencent dans ce secteur-là. Ce sont deux cours d'eau avec des dynamiques naturelles relativement très peu perturbées par le milieu anthropique, à l'exception de la rivière des Rosiers, là, qu'on peut voir le plus à gauche, là, qui a connu une rectification de son cours pour des besoins agricoles il y a de cela plusieurs années. Et finalement, là, ce sont deux sous-bassins versants qui ont une très faible proportion de milieu humide, là, soit environ 1% pour les deux sous-bassins versants. Donc, notre système d'études a une historique d'inondations qui est bien garnie. Toutefois, c'est des inondations qui sont majoritairement qui se produisent l'été, c'est des inondations en eau libre suite à de fortes pluies diluviennes. Donc, l'épisode qui a marqué le plus l'imaginaire des citoyens, mais qui a causé également le plus de dommages, c'est l'épisode de 2003. Donc, qui a causé des millions de dollars en dommages, mais c'est surtout les dommages aux infrastructures. Donc, on parle de ponts, ponceaux et routes qui ont été emportés par les crues. Toutefois, on ne dénombre pas de pertes de vie humaine dans ces cas-ci. Donc, on voit ici l'exemple de la dévastation en 2003. Donc, il s'agit vraiment d'un des hameaux résidentiels ruraux dont je vous parlais tantôt. Donc, la photo a été prise sur le pont qui enjambe la rivière, à vrai dire, là. On voit vraiment là, la plaine inondable qui a été dévastée par la crue ainsi que les dommages qui ont été causés aux résidences en 2003. On voit qu'en 2012, les bâtiments ont été reconstruits là, dans la zone exposée. Notre hypothèse de recherche, je vais vous la lire, ça va comme suit. L'analyse conjointe des facteurs de vulnérabilité sociale et territoriale, du réseau social et des savoirs locaux permet aux communautés rurales d'identifier des priorités d'intervention pour renforcer leur résilience aux inondations. Et de cette hypothèse-là va découler nos quatre objectifs de recherche, qui étaient de 1, là, être capable de produire une analyse de vulnérabilité aux inondations. Deux, de développer une méthode d'analyse de vulnérabilité qui est adaptable au milieu rural. Trois, c'était de soutenir les intervenants locaux régionaux en leur fournissant des outils d'aide à la prise de décision et des recommandations là, à la suite de ce rapport-là. Et finalement, là, on voulait tenter de créer un pont entre la méthodologie de recherche et l'appropriation de cette démarche-là par les acteurs du territoire. Donc, notre cadre conceptuel de l'analyse de vulnérabilité, le voici. Donc, on va décortiquer chacun de ces éléments-là avec vous là, brièvement, un par un, pour voir vraiment de quoi il retourne. Donc, en premier lieu, l'exposition. Nous, sans surprise, on travaille sur les inondations. Donc, notre exposition, ce sont les zones inondables qui avaient été cartographiées par le ministère de l'Environnement. Dans notre cas, nos zones inondables étaient soit absentes, soit incomplètes. Donc, c'est là qu'est rentrée l'intégration des savoirs locaux dans notre démarche, à vrai dire, avec un atelier de cartographie participative qu'on a réalisé avec les intervenants du milieu de la gestion des inondations, là, qui étaient surtout des intervenants municipaux, gouvernementaux ainsi que l'OBV. Donc, avec eux, on a été capable de faire sortir les zones inondables qui n'étaient pas cartographiées par le ministère, mais également de caractériser et de détailler les zones inondables qui étaient un peu jugées incomplètes à ce niveau-là. On a été également capable de faire ressortir les problématiques particulières de nos deux bassins versants, notre système à l'étude, les zones d'érosion et les zones de glissement de terrain. Et finalement, on a pu caractériser les infrastructures exposées, là, qui sont notamment des ponts et ponceaux qui enjambaient les rivières, là, savoir leur vulnérabilité. Si, par exemple, il y avait un autre 2003, est-ce que ces ponts-là seraient vulnérables à une autre crue?
Donc, voici de quoi ça a l'air intégré dans un SIG, ArcGIS pour ce cas-ci. Donc, c'est important de mentionner également que toutes nos zones inondables ont été par la suite validées avec des données LIDAR topographiques là, qui constituent en fait un modèle numérique d'élévation très précis. Donc, on a pu valider nos limites de zones inondables avec ça. Donc, ce qu'on peut ressortir de ces cartographies-là, c'est que nos zones inondables se situent majoritairement en milieu agricole et forestier, peut-être à l'exception de Warwick, là, où la zone inondable passe à l'ouest du centre-ville. Toutefois, le cours d'eau est très encaissé dans ce secteur-là, donc aucun bâtiment en zone exposée. Vraiment, le cœur de notre exposition, nous, ce sont les petits hameaux résidentiels ruraux dont on vous parlait tantôt, qu'on peut voir les encadrer. Nos 31 bâtiments en zone exposée se situent majoritairement dans ces secteurs-ci, qui, une fois zoomés, ont l'air de ça. Donc, ce sont vraiment deux zones là, qui n'étaient pas du tout cartographiées par la cartographie de zones inondables là, du gouvernement qu'on a pu faire ressortir avec les intervenants là, du milieu. Donc, voici. Merci, Guillaume. Donc, une fois qu'on a déterminé l'exposition, la deuxième étape consiste à évaluer les sensibilités de la population et du territoire aux inondations. Pour ce faire, nous avons construit deux indices de sensibilité en s'inspirant fortement des travaux actuellement réalisés au Québec. Tout d'abord, un indice de sensibilité sociale, donc à partir des caractéristiques socio-économiques de la population, et un indice de sensibilité territoriale en fonction de la présence sur le territoire d'éléments physiques et matériels. Donc, plus spécifiquement, au niveau de l'indice de sensibilité sociale, nous avons procédé par addition d'indicateurs pondérés, donc c'est notre méthode. Nous sommes partis d'une sélection de 12 indicateurs socio-économiques de Statistique Canada, qui ont toutes comme caractéristique d'accroître la vulnérabilité des populations aux inondations. Ensuite, par exemple, un exemple d'indicateur, la présence de personnes âgées sur le territoire. Ensuite, ces indicateurs ont subi une normalisation et ont été pondérés via un atelier de pondération avec les acteurs locaux et régionaux, pondérés en fonction de leur influence sur la sensibilité des populations aux inondations sur le territoire. Ensuite, nous avons fait la somme de ces indicateurs fois leur poids. En termes géomatiques, comment ça se traduit, cette méthode? En fait, nous sommes partis des aires de diffusion qui correspondent aux plus petites unités de représentation géographique de Statistique Canada pour les indicateurs. Toutefois, en milieu rural, on retrouve très peu de ces aires de diffusion en raison de la faible densité de population. Donc, pour pallier à ce problème-là, nous avons choisi d'opter pour la méthode d'interpolation des indicateurs pondérés. Donc, cette méthode utilise la valeur des indicateurs pour chacune des aires de diffusion qui composent notre territoire, ainsi que la valeur pour les aires de diffusion périphériques, pour produire mathématiquement une matrice composée de valeurs qui varient graduellement. Donc, si par exemple, ici, on aurait la matrice pour l'indicateur des personnes âgées, eh bien, en rouge, on aurait une concentration plus grande de personnes âgées et en vert, une concentration plus faible de personnes âgées. Ensuite, pour chacun des indicateurs, ces matrices ont été additionnées pour créer une matrice finale de sensibilité sociale qui a été rapportée sur une grille de 400 mètres par 400 mètres, donc des cellules de 400 mètres par 400 mètres, afin d'être comparée à l'indice de sensibilité territoriale qui utilise la même grille composée de cellules, mais pour chacune des cellules de 400 mètres par 400 mètres, on a procédé par dénombrement d'éléments physiques susceptibles d'accroître la vulnérabilité aux inondations. Dans ce cas-ci, les résidences, les infrastructures pondérées en fonction de leur vulnérabilité identifiée par les acteurs, ainsi que les zones de contrainte, donc principalement des zones d'érosion et des zones de glissement de terrain. Donc, ensuite, on peut mettre en relation l'exposition, donc les zones inondables, avec ces sensibilités. On obtient ce qu'on appelle les impacts potentiels, ou plutôt la sensibilité circonscrite au territoire exposé. Autrement dit, si on ne conserve que les cellules 400 mètres par 400 mètres qui sont touchées par les inondations, donc qui touchent les zones inondables, on est en mesure de cartographier les indices et de représenter les différents niveaux de sensibilité sociale à gauche et territoriale à droite. Donc ici, au niveau des cartes, plus c'est foncé, plus c'est sensible. À cette étape-ci, nous aurions pu construire un indice de la capacité d'adaptation de la même manière qu'on a construit nos indices spatiaux pour la sensibilité. Et ça aurait permis d'atténuer les impacts potentiels et par un jeu de soustraction, créer un indice de vulnérabilité totale. Toutefois, on a choisi d'aborder la capacité d'adaptation différemment, donc davantage de manière qualitative avec une approche par questionnaire. On y reviendra dans quelques instants. Au lieu de ça, pour l'indice de vulnérabilité, on a choisi de simplement mettre en relation l'indice de sensibilité sociale et l'indice de sensibilité territoriale. Et ainsi,
qui nous donne une représentation en deux axes inspirée fortement de l'indice de défavorisation de Pampalon et qui nous permet de cartographier la vulnérabilité sur le territoire et plus spécifiquement d'apprécier les éléments de la vulnérabilité pour les différents hameaux résidentiels identifiés là, dans le cadre de la détermination de l'exposition. Donc, pour ce qui est de la capacité d'adaptation, je le disais, on est allé avec une approche différente qui utilise l'analyse de réseau social, mais également un exercice d'auto-évaluation de la résilience. Donc, l'analyse de réseau social, qu'est-ce que c'est? Ça permet d'identifier les intervenants et d'évaluer leur importance. Ça permet aussi de révéler et de mesurer les échanges au sein du réseau de manière, avec le but d'accroître, d'augmenter, d'améliorer du moins la gouvernance des inondations. Pour ce faire, nous avons réalisé une série d'entretiens semi-dirigés avec les principaux intervenants de la gestion des inondations, donc les principaux intervenants du réseau, et nous avons compilé le tout dans le logiciel GIFI pour des fins d'analyse. Donc, le réseau de la gestion des inondations, le voici. On se rend compte d'entrée de jeu que c'est un réseau qui est relativement bien structuré, qui est centré autour des deux municipalités, et qui est composé majoritairement d'acteurs de la sphère publique, avec la participation en vert et en orange autour de plusieurs OBNL et acteurs de la sphère privée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque qu'au sein du réseau, c'est le près du 2/3 des échanges qui sont de type échange de ressources et coordination. Ici, on s'intéresse plus spécifiquement aux échanges entre les municipalités et leurs proches partenaires. On se rend compte que c'est presque exclusivement des échanges de ressources humaines et matérielles en situation de mesure d'urgence ou en période de rétablissement. Donc, ce que nous apprennent ces deux informations-là, c'est qu'on a affaire à un réseau qui est principalement réactif, donc dans lequel on documente, oui, beaucoup d'actions en préparation, en gestion de mesure d'urgence et en période de rétablissement, mais très peu d'actions dans d'autres dimensions de la gestion des inondations, comme la prévention, l'acquisition de connaissances sur le phénomène, notamment. Finalement, on voit ici les différents acteurs assemblés par module, ou plutôt par groupe d'affinité. Et ici, on fait l'exercice très intéressant de ne conserver que les relations qui sont jugées essentielles par les intervenants rencontrés. On obtient ceci. Donc, un réseau qui est pour le moins épuré, dans lequel on constate, par exemple, que l'organisme de bassin versant et ses partenaires du milieu agricole et forestier se voient totalement exclus du réseau. On remarque également que le MSP ne parle plus à la municipalité de Kingwick, ce qui nous en apprend beaucoup sur leur relation, mais aussi que, par exemple, malgré sa mission, le ministère de l'Environnement est pratiquement coupé du réseau et joue un rôle relativement marginal dans la gestion des inondations. Parallèlement à l'analyse de vulnérabilité, nous sommes inspirés des outils développés par les Nations Unies dans le cadre de leur stratégie de réduction des risques de catastrophe, pour se livrer à un exercice d'auto-évaluation de la résilience. Pour ce faire, nous avons utilisé les capacités de la résilience proposées par le chercheur québécois Steve Plante. Et lors d'entretiens individuels et d'ateliers de groupe, les différents acteurs rencontrés étaient amenés à documenter ces capacités, mais aussi à se prononcer sur l'état d'avancement de ces capacités dans le réseau, nous permettant notamment de révéler les forces et les faiblesses du réseau en termes de capacité de résilience. On voit ici les cinq capacités donc classées par ordre d'évaluation, donc de la meilleure évaluation à la pire évaluation. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le réseau à Warwick et Kingwick agit de façon efficace en situation de mesure d'urgence et en recouvrement, donc en rétablissement, donc la première capacité. C'est un réseau qui se veut également bien relativement auto-organisé, c'est-à-dire autonome et indépendant par rapport aux acteurs extérieurs. Toutefois, on voit aussi certaines faiblesses, certaines lacunes, notamment en termes d'innovation et d'innovation sociale principalement, parce qu'on constate lors des rencontres que les acteurs du territoire ont de la difficulté à mobiliser la population exposée pour qu'elle fasse partie prenante de la gestion des risques d'inondation. On remarque aussi très peu d'adaptation des comportements en termes de pratiques en aménagement du territoire et en urbanisme sur le territoire au cours des dernières années. Et finalement, la principale lacune identifiée, c'est en termes d'apprentissage, on ne retrouve aucune stratégie, aucune méthode pour documenter, du moins formellement, les épisodes d'inondation sur le territoire. Donc, l'ensemble du savoir réside dans la mémoire collective des employés municipaux, ce qui n'est pas du tout l'idéal dans ce cas-là. Et finalement, de ces différentes analyses résultent des constats qui nous permettent d'émettre
plusieurs recommandations qui se veulent adapter aux besoins du territoire, aux besoins des intervenants, et qui peuvent être applicables, comme on le voit ici, à un secteur typiquement exposé sur le territoire, là. Première recommandation, parmi les recommandations qu'on a émises, c'est de cartographier formellement les zones inondables et de considérer les éléments de la vulnérabilité qu'on a vus aujourd'hui dans la prise de décision en aménagement du territoire et en urbanisme. C'est de surveiller les crues et de documenter de manière formelle les épisodes d'inondation, de manière à accroître la question de connaissance et de mieux réagir, de prendre des meilleures décisions. C'est de réduire l'exposition, et ça passe bien entendu par limiter l'implantation dans les zones qui sont notoirement exposées aux inondations, comme l'image que Guillaume vous présentait tout à l'heure. C'est de conserver et de restaurer les milieux humides, les milieux naturels, pardon. Ça passe notamment par le respect de la réglementation sur les bandes riveraines, ce qu'on n'observe pas du tout dans les deux bassins versants, mais aussi par la conservation, la restauration des milieux humides en mauve, mais également des milieux boisés, principalement en amont des zones exposées. C'est aussi d'impliquer davantage les acteurs de la prévention et de l'aménagement du territoire. Par exemple, l'organisme de bassin versant et ses partenaires du milieu agricole et forestier, en orange et en vert, qui ont une incidence sur l'écoulement et le ruissellement et donc le régime d'inondation. Mais également, les acteurs de l'aménagement du territoire, comme la MRC, qui, malgré son fort rôle en aménagement du territoire, joue un rôle relativement effacé et pas nécessairement très proactif dans ce domaine. Et finalement, en terminant, c'est d'informer et de mobiliser la population de manière à ce que la gestion des risques d'inondation ne devienne pas que l'affaire des autorités, comme c'est le cas actuellement dans le réseau, mais implique également les citoyens concernés, donc les citoyens exposés, de manière à développer une conscience du risque chez les citoyens et chez les acteurs, les intervenants. Merci. Oui, en fait, j'aimerais ça revenir sur votre sixième recommandation. Si, ben, vous avez mentionné que c'était une lacune, justement, la oui. mobilisation de la population, particulièrement ceux-là qui étaient plus vulnérables. Y aurait-vous des exemples, justement, comment mobiliser cette population-là? Oui, bien, ça peut prendre plusieurs formes. On peut prendre, même aller dans les exemples qui existent déjà, mais tu sais, un comité citoyen des personnes exposées, ça pourrait être une belle manière de mobiliser la population, puis d'engendrer, de servir de leur énergie, puis un, pour les sensibiliser, mais aussi pour servir de leur énergie pour mettre en place des actions. Ça pourrait être aussi, dans le mode participatif, on voit des alertes participatives aussi, des chaînes d'appel. Donc, ce ne soit pas seulement l'affaire des automates d'appel de la municipalité d'appeler tout le monde, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal parce qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas à jour, mais que les gens s'appellent entre eux. Donc, ça, c'est un autre mode participatif, mais ça peut prendre plusieurs formes comme ça, là. Il y a une question, en fait, qui est posée sur le forum, si je résume, qui revient 2-3 fois. Je vais la poser peut-être plus simple. Le choix de vos pondérations, comment ça a été fait? En fait, vous me parlez 1, 2, 3, 4, par exemple, mais comment ça a été déterminé, ces pondérations? C'est des infrastructures, ça? Ou, Oui. Ben, c'est avec les intervenants locaux, à vrai dire, on a terminé avec eux, on leur a dit par exemple, est-ce que ce pont-là, étant donné qu'eux connaissent plus le territoire que nous, on le connaissait à vrai dire, on leur a dit, parez-vous, par exemple, ce pont-là, s'il y avait un autre cru comme 2003, une inondation de la même ampleur, est-ce que cette inondation-là serait à même d'emporter le pont, oui ou non? Donc, 4, on disait, donc c'est une infrastructure vulnérable, le pont sera emporté par la crue, ou 1, ce n'est pas vulnérable, donc ce ne serait pas emporté. C'est comme ça qu'on a pondéré nos infrastructures, à vrai dire. Que ce soit pour les indicateurs de l'indice de sensibilité sociale, ou pour les infrastructures, on est allé avec un 1 à 4. Premièrement, ça laisse pas le 1 à 5, ça laisse le 3 au centre, qui est une espèce de statu quo. Donc, on est obligé de pencher d'un côté ou de l'autre. Puis c'est vraiment en fonction soit de la vulnérabilité ou soit de l'influence de l'indicateur. Mais c'est comme ça que ça a été terminé. C'est comme ça dans la littérature, du moins, pour les différents documents qu'on a consultés. Merci. Bravo. 30 secondes. OK. Vous aviez une catégorie changement climatique. Oui. C'est quoi? Oh, on peut revenir peut-être à tourner. Oh, ben non, on peut pas. Ben, en fait, c'est que.
Vas-y. C'est qu'on a demandé, à vrai dire, lors de l'atelier de cartographie participative, on a demandé aux acteurs de se projeter, là, par exemple, dans le futur, est-ce que vous penseriez que les inondations pourraient toucher ce secteur-là, à vrai dire, c'est ce qu'on a vu ressortir en mauve, là. On les a plus ou moins abordés parce qu'on pensait que ça ressortirait plus, mais c'était une démarche qui était difficile avec les acteurs, à vrai dire, on leur a demandé de se projeter dans l'avenir, là, dans 20 ans, par exemple, où est-ce que vous penseriez que ce bâtiment-là pourrait être emporté. Donc, on a eu juste seulement deux zones où les changements climatiques étaient illustrés, là, donc c'est vraiment, c'est toute une fréquence, à vrai dire, mais qu'il y a moins ressorti qu'on pensait qu'il ressortirait, là.